Mettre en confiance, c'est ce que fait Guy Lacombe depuis longtemps, ses joueurs, leur demander de se libérer, de se lâcher, d'être plus solidaire. Et on voit comment ce match avait fort mal débuté avec ce premier but pris trop rapidement. Troisième minute, le but de Tohama. Première incursion israélienne dans la surface de réparation parisienne. Un but qui va être rapidement suivi d'un second. Trois minutes plus tard, deuxième incursion. Avec, c'est vrai que Edouard Cissé et Mika Landreau ne sont pas exempts de tout reproche sur ce but. Même si la frappe est belle. Ouais. Et on a cru que tout était possible dans cette partie parce que regardez, il y a la réduction du score de Pierre-Alain Fro, puis l'égalisation derrière. On se dit que ça y est, le Paris Saint-Germain a enfin lancé son match. Ouais, l'équipe jouait plus haut, elle pressait cette équipe israélienne qui faisait beaucoup de fautes. Et sur les deux premières bonnes opportunités, les Parisiens qui marquent deux buts. Donc on sentait que là tout était possible dans ce match. Voilà le but de Pedro Miguel Paoletta. Et puis il y a eu un troisième but juste avant la mi-temps, comme on l'avait espéré, mais un troisième but qui n'est pas arrivé du bon côté. Non, pas du tout. Avec malheureusement pour Guy Lacombe et son équipe, beaucoup de passivité sur cette action. Tout le monde se regarde, personne n'intervient. Et Mickaël Landreau ne peut que constater les dégâts. Et puis le quatrième but qui résume assez bien la prestation calamiteuse de la défense du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et puis beaucoup de qualité dans ce but quand même, qualité technique, un bon relais et puis petit ballon piqué judicieusement par le joueur israélien.